Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes. Hein, ça y est, on retrouve le temple du trot pour, je pense, une bonne série hein, qui nous attend avec pas mal de quintés au trot durant tout l'hiver, bien entendu. Mais déjà cette semaine, à mon avis, on va avoir droit à pas mal de belles festivités. On commence ce jeudi 30 novembre avec le prix de Bourigny. On termine le mois à Vincennes avec une épreuve européenne réservée à des chevaux âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros. On a une belle épreuve en perspective, 16 concurrents au départ. Le parcours de vitesse, 2100 mètres de la grande piste à parcourir, une course qui est prévue bien entendu vers 13h50, c'est la première course de cette première réunion comme vous le voyez. C'est une course qui est ouverte. C'est vrai qu'il y a quelques concurrents étrangers qui sont de la partie et qui, à mon sens, détiennent quasiment tous une première chance. Hein. Il y en a, regardez, 1, 2, 3, 4, ils sont 4, 5. Et les 5, je les ai retenus pour ne rien vous cacher, donc c'est pour vous dire à quel point la course est ouverte. Mais c'est vrai que sur ce parcours, le déroulement de course fait souvent la différence. Et je pense que ça va être une nouvelle fois le cas. J'ai tout de même retenu en tête de ma sélection l'As Charlie As, un concurrent qui vient de battre un petit peu tout le monde. Hein. C'est une des courses références, vous allez le voir, avec une belle victoire sur ce parcours, alors qu'il s'est lancé en deuxième ligne. Hein. Voilà, c'était le prix 20 minutes. Il battait Inshot Jocelyn, Canto Daventi notamment. Et c'est vrai que c'est l'une des courses références sur laquelle je me suis appuyé en priorité. Charmi Charlias, qui en général aime beaucoup courir avec de la fraîcheur. On l'a souvent vu s'illustrer en courant à plusieurs semaines ou même à 2-3 mois d'intervalle. Là, une dizaine de jours. Mais j'ai vu que l'hiver dernier, il avait fait l'arrivée. Hein, après, dans ce mode de compétition, ça veut dire il avait couru à 10 jours d'intervalle, notamment sur ce parcours, et il avait terminé 3e, donc voilà, même s'il est meilleur avec de la fraîcheur, il est capable de bien faire en courant rapproché, donc c'est pas un souci, il est déféré des 4 pieds, François Lagadec le connaît parfaitement, il vient de s'imposer avec lui, voilà, c'est un cheval qui court caché. Alors avec ce numéro 1, c'est un avantage et un inconvénient parce qu'il va pouvoir laisser passer quelqu'un pour justement courir de manière cachée. Maintenant, va falloir trouver l'ouverture, c'est toujours pareil, c'est une question d'aléa, mais en tout cas, c'est un cheval qui a largement les moyens de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu deux étrangers qui débutent sur notre sol, à commencer par le 3, hein, Cara River. Cara River, regardez, il réalise un très bon début d'année, il a repris un peu de fraîcheur, hein, on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre. Regardez son chrono, alors certes, c'était sans doute sur 1600 mètres, c'était à l'étranger, mais 1-9-1. C'est un chrono incroyable, je trouve, même si c'était sur 1600 mètres. C'est un cheval qui a des références à faire valoir, qui d'ailleurs a déjà battu, je crois, un certain Kagan. À deux reprises, Kagan. Je ne sais pas si vous suivez un peu les courses, mais ce week-end, enfin le week-end passé, il a terminé deuxième du prix de Chenonceau, un groupe 3, en battant notamment un certain It's a Dollar Maker ou encore Joshua Tree. Donc la référence est excellente. La vitesse, il l'a, il est déféré des 4 pieds. On connaît Johan Untersteiner, lorsqu'il vient sur notre sol, en général, il a vraiment des bons pensionnaires et je pense que ce numéro 3, Cara River, en fait partie. Ensuite, j'ai retenu le 7, Castor the Star. Lui aussi a des références à faire valoir. Je ne sais pas si on a ses performances, on va peut-être jeter un petit coup d'œil. C'est un cheval, en tout cas, qui est présenté en grande confiance par Jørgen Westerholm. Regardez, il a battu donc... Ah, c'est lui qui a battu Kagan. Peut-être que j'ai inversé les deux. Parce que lui aussi a battu Kagan, visiblement. En tout cas, lui aussi a des références à faire valoir. Regardez, Francesco Zet, un super cheval. Donny Zetti aussi, qu'on a vu sur notre sol, réaliser quelque chose intéressant. Donc, vraiment, il a des références à faire valoir avec des concurrents qu'on a vus sur notre sol. Et c'est vrai que ce Castor the Star, pour moi... Il a, en théorie, une belle carte à jouer. Maintenant, ça vient de sortir un peu décevante, mais je le reprends en confiance. Comme je vous l'ai dit, Jørgen Westholm est assez confiant. Il a de la vitesse. Et pour moi, c'est un concurrent qui est capable de faire mal dès ses premiers pas en France. Ensuite, j'ai retenu le 14, Jericho. Encore un cheval étranger, hein, vous l'aurez compris. Un concurrent qui vient de terminer deuxième hein, face au seul 4 ans. D'ailleurs, il a tenté sa chance dans le prix de l'UET, hein, du côté de Solvalla, il y a quelques semaines de cela, le prix de l'UET dans lequel Just Gigolo terminait deuxième. Les meilleurs 4 ans sur la scène européenne, il terminait septième et franchement, il n'a pas démérité. Ça quand même montre le niveau qu'il possède. Là, il est en deuxième ligne. Ça reste une question de parcours, mais en théorie, je pense qu'il est capable de tenir la dragée haute à ses aînés. Et malgré sa position en deuxième ligne, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser une très belle performance. Comme je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. Mais attention, il est capable, même pourquoi pas, de monter sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5 Iron Melois. Le premier français que je retiens, c'est un cheval qui est peut-être un petit peu meilleur sur des longues distances. Maintenant, il vient de faire une rentrée qui est tout à fait correcte. Il est déféré des 4 pieds.
J'avoue que j'aurais préféré un parcours de longue haleine. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue mais qui a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Regardez, il a un chrono de 1:11,8. C'est un très bon chrono, hein, mine de rien. Et le fait qu'il soit déféré des quatre pieds, c'est un signe de confiance. Il est bien placé derrière la voiture. Attention, s'il est suffisamment prêt après sa rentrée, je pense qu'il est capable de réaliser lui aussi quelque chose de très bien. En tout cas, moi je lui vois une bonne chance. J'ai retenu 5e. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 6, Inshot Jocelyn. Ben, un cheval qui est régulier, regardez, il a terminé 3e derrière Charmiche Alias la dernière fois. Il avait un numéro qui était un petit peu meilleur derrière la voiture, je crois. Mais en tout cas, le numéro 6, c'est loin d'être mauvais. Il est allégé dans sa ferrure. Lui aussi est présenté en grande confiance par Sébastien Garato. Il est à peu près dans sa catégorie. C'est vrai que la dernière fois, je le voyais pas forcément. Mais il m'a montré qu'il pouvait rivaliser avec cela. Et c'est pour ça qu'il faut le retenir au moins pour une place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 16, Canto dei Venti, un cheval qui reste sur une très bonne tentative. Hein. Je ne sais pas si on l'a ici. C'était une 4e place. Je sais, non, c'était pas le 10 août, c'était après. C'est un cheval qui venait de bien courir. Je crois que c'était sur ce parcours. Laissez-moi me rafraîchir juste un petit peu la mémoire. C'est un cheval qui vient de courir dans un bon lot. Hein. Bah, Charmiche Alias, oui, on l'avait. Bah, pourquoi il n'est pas dans la ligne? Bon, il y a un petit souci d'affichage visiblement. En tout cas, il a terminé 4e. Si, il était là, c'est moi qui vois rien. Pardon. Canto dei Venti qui faisait partie de la course référence justement du 19 novembre sur ce parcours. Le problème, c'est ce numéro 16. Il aurait eu un numéro 12, 13 ou en première ligne. J'aurais sans doute retenu 3-4e. Là, avec un tel numéro, il faudra que ça se passe bien. C'est un cheval qui, vous l'avez vu, est dans sa catégorie, qui dispose d'une superbe pointe de vitesse finale. Et si Gabriel Germini arrive à lui donner le bon parcours, attention, je pense qu'il est vraiment capable de s'illustrer, pourquoi pas même de finir dans le quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 8, Jaguar Marencourt. C'est un cheval de classe également, ce Jaguar Marencourt. Maintenant, il fait sa rentrée, il est plus à l'aise sur des parcours de tenue. Mais bon, on connaît Fabrice Soulois, c'est un homme qui est redoutable, allégé dans sa ferrure. Il a couru des très bons lots, hein, ce poulain de 4 ans. Le fait qu'il se retrouve d'ailleurs en première ligne, vous le voyez, c'est le seul poulain de 4 ans qui est en première ligne, c'est dire sa qualité. Il a autant de gains que des concurrents qui ont un an de plus que lui. Pour moi, c'est sans doute le poulain de classe, aurait été en 2008, un petit peu comme pour le numéro 5 Iron Melois, j'aurais vraiment cru dur comme fer. Là, sur 2100, il faudra quand même que ça se passe bien. S'il ne fait pas trop d'efforts, en tout cas pour moi, il est capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, j'ai retenu en cas de non partant le numéro 10, Iguski Sauton, qui a été préparé pour cette course. On sait comment ça marche avec Mathieu Abrivard. Quand il est déféré des 4 pieds, c'est certainement qu'il y compte. Là, il a mis le smiley vert hein, sur le site du trot. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'opposition. Le lot est vraiment relevé, la course est très ouverte. Franchement, à part le numéro 12, Jadrius de Guez, même s'il est confié à Jean-Michel Bazir, qui est ferré, qui n'a aucune chance, je pense qu'ils sont quasiment tous capables de terminer dans les 5 premiers. Donc, c'est pour dire à quel point la course est ouverte. Ça va être une question de parcours. J'espère que j'ai fait les bons choix. En tout cas, ce sont les miens. On va faire d'ailleurs un récapitulatif de ma sélection avec l'as Charmiche Alias que j'ai retenu devant le 3 Cara River. En troisième position, le numéro 7, Castor The Star. Devant le 14, Jericho. Ensuite, en cinquième position, le numéro 5, Iron Melois. Devant le 6, Inshot Jocelyn. Le 16, Canto Dei Venti. En septième position, devant le numéro 8, Jaguar Marencourt. En cas de non partant, le numéro 10, Iguski Sauton. Bah écoutez, en conseil de jeu, mes trois préférés, hein, l'as Charmiche Alias, en forme, compétitif sur ce parcours, bien placé derrière la voiture, même si c'est un numéro qui peut être un peu piège. Le 3 Cara River, lui, est par contre très bien placé derrière les ailes de la voiture. Pour ses premiers pas en France, il est capable de frapper fort, tout comme le 7 Castor The Star. J'y crois vraiment dur comme fer pour lui aussi. Il a des références à faire valoir et il a de la vitesse. Pour moi, c'est un concurrent qui peut faire mal dès ses débuts en France. Donc As 3-7, mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté de Deauville. Hein, le prix Liffard remporté par Down Intello devant Claymore le 9. Le 10 Palais du Louvre hein, qui se réhabilite après avoir réalisé une rentrée décevante. Le 7 intégrant modèle de régularité. Puis le 12 Mercure qui n'était pas forcément attendu à pareille fête et qui apporte un petit peu de cote à l'arrivée de ce quintet. Du côté de nos deux rubriques, pas grand chose. Petite journée hein, de la part de nos deux rubriques mardi, mais un trio à 106 euros. Quelques coups de cœur. Hein, sélection d'un couplet placé à plus de 30 euros. Donc voilà. C'était une petite journée, mais ça arrive, on ne peut pas être performant tous les jours. On essaie de faire de notre mieux. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien pour y accéder dans notre descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi, c'est un lien qui vaut le coup. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche.
Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes une nouvelle fois. Hein, je vous l'ai dit, on va être sur une belle série avec un week-end explosif, notamment avec la clôture du GNT. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.